Nabvini la caille par nous. Conférence pour la presse, autorité dans la capitale là. D'abord, magistrat que mon patron de patrouille depuis quelques temps, Yuri Chevry, qui te gagne avec le chef cabinet Paulson Pierre Philippe, mais te gagne beaucoup de tout représentant Paquet et représentant la police, vient faire Port-au-Prince, mon cap vivre dans la capitale là, business dans la capitale là, qu'on est, pas si tiré encore, citoyen et entrepreneur, pour continuer. Fait Port-au-Prince tourner capital fatra Jean que lié donc li annoncé gagné un arrêté communal qui prend en date 16 mai 2018 il va le mettre en application li dit qui interdit moun jeter fatra dans capital la tribo et babo Jean que tout monde a assisté et violation arrêté ça selon degré violation capable la cause moun qui fait là payer amende en 10 000 goud pour arriver jusqu'à 50 000 goud. C'est ça le dit dans conférence pour la presse jeudi à dans local mairie sous bicentenaire. Magistrat votre président Yuri Chevry avec chef cabinet Paulson Pierre Philippe dans conférence pour la presse côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Yo interdit n'importe qui moun jeter fatra dans la rue et ou pas gien droit jeter fatra dans la rue ou pas gien droit marcher avec fatra pour le déposer au côté sauf que côté que la mairie indiqué et il a communiqué par la suite au fur et à mesure qui côté point camion a campé pour venir ramasser fatra pour venir recueillir fatra que moun a porté à joindre donc grand espace business qu'on gagne ou supposé que poubelle la donne ça veut dire grande dimension la minimum dans c'est 4 mètres carrés. Debout dans dimension ça ou supposé gien poubelle la donne pour ramasser fatra et puis ou supposé gien plusieurs poubelles dépendamment de espace mon gien pour capable stocker fatra ensuite pour mener dans point que la mairie désigné. Donc entreprise qui spécialise dans question ramassage fatra gien moun cap ramasser fatra cap jeter fatra mais gien entreprise c'est ça ou fait comme business yo ramasser fatra dans business à jeter pour business yo. Eh ben la mairie prévoit des dispositions par rapport à ça, lui mandé que entreprise cap opérer dans commune là faut venir enregistrer dans la mairie pour la mairie connaît que va opérer question business ramasser fatra dans commune là pour capable faire si 10 000 goud pour moun qui violer article 2 et 50 000 goud pour moun qui violer article 3 et 4. Donc c'est ça sanction. Comment mairie privée applique arrêter ça? L'on considère gain de gros importateurs qui a importé en série 2 matières plastiques et assiettes en forme et de l'autre business tout dans pays qui a produit bouteilles plastiques, sachets plastiques. Et m'a arrêté à dire rien sur ça. Est-ce que mairie a gain moyen politique pour arriver appliquer arrêter ça? L'on considère que bagaille là li pire que fatra moun yo a produit la caillou. Deuxièmement, est-ce que nous pas considérer sorti mairie a fait jodi a comme on annonce en plus l'on considérer gon bon annonce qu'on sac fait ministre environnement li fait gros conférence côté inviter la presse annoncer interdit à certains sirophones. Ba yo continuer là et en conférence de presse en plus non. Et c'est pour ça que nous faisons pile attention, nous ne pas attaquer tout le bagaille ensemble. C'est j'aime ça que pour un conflit galaxie, il y a des bagailles qui dépendent de mairie, il y a des bagailles qui dépendent de l'autre structure dans l'État. Arrêtés qui sortent sous plastique sont arrêtés qui sortent dans l'État central. Et mais nous-mêmes, nous travaillons sous lui, dans la commune, pas nous. Nous aider et nous respecter arrêter ça de sortir. Même beaucoup arrivés sous lui, c'est que nous faisons choix. Nous parler de. Moun kap jete fatra dans la rue nous pour arrêter pour empêcher que moun yo mette fatra dans la rue mais au fur et à mesure n'a pas avancé sous lui rencontre qui pral gen pour avec moun kap produit plastique et fromio et à l'état central li pral gen pour faire suivi ça continuer fait jusqu'à ce que nous mêmes nous prenons des décisions dans commune par nous pour nous jouer de ça. Oui, j'entends des magistrats Yuri Chevry avant ça a été chef cabinet Paulson Pierre Philippe dans conférence pour la presse ça. D'ailleurs, c'est une mesure qui a longtemps. Ils ont mis en application. Ils ont les pollueurs-payeurs. Mon cap pollueur, c'est lui-même qui peut payer. Et bon, ils ont pas fait ça en Haïti. Donc, sûrement, il y a des pollueurs qui font payer. Puis, petit, ils ont grand nègre pas payer. Et toute autorité a plein. Et plastique, on va y payer. Qui côté passer? Ils ont passé sous frontière. Ils ont passé dans la douane. Et ils ont entré.
yo pas faire payer amende, yo pas saisir yo, yo quitter yo continuer à polluer et tout et canal nous, tout rue nous, pratiquement n'a tout fait en bas fatra. Conférence pour la presse acte semble une démonstration pour montrer que autorité yo ta avlé un petit souké quoi. Après Haïti saute prend premier prix comme capitale qui pi sale qui gagne dans zone non et youn parmi capitale qui pi sale qui gagne dans le monde et couvrir en bas fatra et gros fatra mais petit fatra négligence tout et qui yon belle ville et ancien belle ville qui tourne rien je dis gen substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince non M. Jacques Lafontaine qui était représenté chef paquet dans conférence pour la presse à directeur police dans l'ouest Berson Sojou commissaire divisionnaire qui déclarait il a poté collé à mairie capitale là pour arrêter ça c'est pas un effet d'annonce en plus mais qui pral appliquer tout bon vrai d'après promesse fait n'a attendé toujours dans conférence pour la presse côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Dans le cas ça on a parlé là, c'est une sanction à l'amende. Donc amende c'est cob mon va le payer. Ouais, article a dit c'est cob 10000 gourdes de 50000 gourdes. On met dans leur sanction tout, c'est pour rapidement son tribunal qui prononce. Donc automatiquement, magistrat demande si mon n'a pas payé amende dans sa favelle, m'a dit que faut le payer. Donc il y a une contrainte pas qu'on la donne. Maintenant, s'il n'a pas payé, la fonte en prison, même pas capable indéfiniment que les gens dans la prison. Tout. Donc, dans le cas, le commissaire est intervenu pour lui permettre de libérer par cette exonération. D'accord? Donc, là, nous avons vraiment les insolvables par rapport avec à maintenant, nous avons libéré. Mais maintenant, il faut que c'est le tribunal qui pour prononcer sanction. D'accord? Donc, voilà, nous-mêmes, nous portons tout appui, nous. À démarche ça, nous retrouver son démarche qui gagne pour finalité réguler le comportement moun nan dans la société ya, par rapport à résidus et que pour nous capables de vivre qui propre, saine. On prend toute disposition pour que arrêter ça, l'exécuter et l'appliquer. Dans la semaine ça, après une réunion avec tous les responsables, commissariat et sous-commissariat dans la zone métropolitaine, nan, notamment dans la commune de Port-au-Prince. Donc, nous avons bayo chaque une copie de arrêter ça pour que la police nationale aille appuyer la mairie de Port-au-Prince dans le cadre d'attribution qui prend une décision pour être capable de gérer Fatra. Et nous applaudissons l'initiative ça, puisque assez souvent, la police nationale gagne des problèmes par rapport à l'ordre public, puisque assez souvent, riverains qui ont manifesté et des fois qui ont pris Fatra à bloquer la rue, qui permettent nous qu'on obligés à intervenir et assez souvent les magistrats pour capables de nous coup de main. Voilà, c'était représentant la police, Berson Sojou, responsable police en l'Ouest, et bien représentant Paquet et maître Jacques Lafontaine. Donc, il n'y a pas qu'à dire, pareil, mon cas levé campé contre des autorités qui viennent annoncer, il a essayé pour voir qui gens qui a fait face à un problème. Mais en tant que citoyenne qui a toujours posé question, vient jeune de la première fois, gen gens de annoncer yo et qui a fait Robinson souligner ça dans la conférence pour la presse non, sous affaire et asset plastique yo et nous te connaît yo te paraît arrêté et pas jamais rien qui fait. Qui mesure en amont, ça veut dire depuis un lait qui fait, qui étude, qui mesure, qui prend pour que mesure ça y entre en application. Qui analyse sérieuse qui fait sous production Fatra dans Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince a 2018, là, et pas Port-au-Prince 1970. Il y a un paquet de monde qui vivent là-dedans. Et en pile fois, monde n'est pas identifié. Il y aurait été dans une série de cailles. Nous connaissons qui a trompé soleil, mais qui n'a pas trompé la pluie. En pile corridor, et côté que l'air la pluie tombe, et yon y veye parce que dans la zone, il y a un camion pas qu'à rentrer, pas gagné côté projeté Fatra, pas gagné rue, ou pas qu'à problème sérieux, parce que son capital bidon en ville qui est lié. Donc, moun nan di yon y veye, l'air de l'eau la pluie a vide, et tout jeté Fatra là-dedans. Pour l'eau a poté aller. Et ça fait qu'on remonte loin tout. Non, gens que nous structurer dans rapport nous à question hygiène publique, go paquet à paquet analyse qui méritait faire ou paquet étude. Et là c'est diverses disciplines qui concernaient sociologues, démocrates,
démographe, excusez, sociologue, démographe, tout le monde ça yo concerné sous question population, mais tout anthropologue et sous culture, sous comportement population. Et puis sous intégration population dans ville, parce que nous avons bon partie dans population, c'est des monde qui sorti dans section rurale, dans section communale, qui parle, qui ont l'autre forme de vie et qui débarrasse de fatra en l'autre gens. Est-ce que mairie va prendre mesure pour accompagner moun sa? Est-ce que pral gen éducation qui a fait pour yo? Comment y a fait? Et tout ça doit entrer en ligne de compte si que c'est sérieusement y a pas abordé question fatra. Gen production fatra globale, gen production par famille, gen tri fatra, gen côté décharge yoyé, est-ce que gen possibilité de recyclage et qui ça qui a fait? Et puis pollueur payeur là, qu'on a l'entrée dans gros compagnie qui a jeté fatra. N'importe qui côté. Là d'entre tout dans monde qui a dégagé avec fatra. Nous avons plusieurs compagnies qui a prend fatra car monde de bon côté à jeter. Nous on est contenté nous ba conscience nous repos, nous ba un camion fatra, nous prend abonnement, mais nous pas connait qui côté à jeter fatra ça. Combien de charges qui gagne dans zone Port-au-Prince? Et ensuite, ou gagne l'autre malheureux qui a vivre de question fatra, qui a prend fatra tout dans caill l'autre monde qui puis malheureux, il a déposé dans l'autre côté, dans cafou non côté. Donc, c'est un petit problème pour les fatra. Ils sont gros problème qui pas qu'à résoudre sans que par une mobilisation, sans que par une conscientisation, une sensibilisation, sans que par un investissement qui fait, sans que par une diverses disciplines, urbanisme, monde qui connaît question la ville, qui a construit ville, tout le monde ça est concerné. Mais il y a pas qu'à pourquoi le magistrat décide comme ça. Donc, c'est toute discipline ça yo qui vous mettez ensemble qui capable bail un résultat. Mais avant ba résultat faut que étudier problème non en profondeur. Si c'est pas ça son coûte et peine à faire dans l'eau, il pas banquer un résultat. Gardez boîte chaîne non. Qui ça que la donne? Gardez tout côté au côté j'étais fatra, regarde dans Kafou et rue du centre à Cuire des Cazettes non. D'ailleurs en pile malheureux qui a préfère fatra comme c'est la ville j'étais. Dans mitan la ville là. Et puis gardez qui rapport mon gars avec ville là, faut que faire mon remet ville là. Faut que vous redéveloppez un rapport avec ville là, un sentiment par rapport à ville là. D'abord, c'est une ville qui était abandonnée à cause problème insécurité, pas qu'à faire qu'un investissement là-dedans. Tout le monde qui était moyen, il a couru qui était Port-au-Prince. Il y a le monté dans Pétionville qui pas adapté, qui pas des capacités. C'est la ville là qui a recevoir tout magasin ça. Autorité pas jamais fait rien. Et puis tremblement de terre venu, il a achevé Port-au-Prince. L'autre passé, c'est plus mal passé côté guerre la guerre 14. L'état Port-au-Prince, un véritable désastre. Ou pensez qu'on a eu un problème fatra, qu'on ça c'est qu'on va poser tout problème ça. La fois pour mes camper. 30 jours. Get to Old Navy. Old Navy? Yep, starting tomorrow. Splash into summer with an incredible 50% off all tees, all tanks, all shorts, all dresses, and all swimwear at Old Navy and OldNavy.com. Wow, 50% off all those styles? Now that's epic. So is this. Tees start at just $6, but hurry, it ends Monday. 50% off and tees from $6? Old Navy, here we come. High fashion, Old Navy. Valid 525 to 528. Excludes clearance, active, licensed flag products, and men's package. Dans basse couche là, nous gagnons humidité qui associe à chaleur journée. Et fait local, ça qui pourrait faciliter les départements sud-est, l'ouest, la Tibonite, nord-ouest, bénéficier d'activités la pluie pour Assoya, mais d'une manière isolée. Pour après-midi, en tout, nous avons un temps qui est soleil, des nuages qui ont développé, et température élevée jusqu'à 34 degrés Celsius, et la tombe dans la nuit là, jusqu'à 24 degrés Celsius. Pour Port-au-Prince, à zone qui entoure nous, situation pas différente. Nous prévoit tout, quelques gouttes la pluie, dans quelques endroits, dans Port-au-Prince, pour Assoya. Pour vendredi avec samedi, c'est même situation, nous sommes capables de gagner, si paramètres ont toujours été mêmes, les possibilités tout, pour activité la pluie, continuer, diminuer, suite à la chaleur, journée et fait local, nous sommes capables de bénéficier, quelques gouttes la pluie, par chance. Pour la mer, nous m'en dévoilé, nous prenons précaution, zone côte nord, golfe Lagonave, à zone côte sud. Soleil a couché à 6h20 pour lever demain matin à 6h. Cela nous mettait en bout dans l'information météorologique. On a promis sur Liliane, Webson, toute équipe là, auditoire Radio Kiskeya. Nous souhaitons passer une agréable fin d'après-midi. Rendez-vous pour demain vendredi pour l'autre information qui a bien pour loin dans les affaires météo. Bonne fin d'après-midi sur Liliane. Merci. Ou même tout, on a demain, Christine. Merci, Liliane.
Donc, tout le monde est suspect ça. Président américain Donald Trump annonçait lui annuler rencontre ça et pourtant il te fait pile louange pour lui. Après une période côté lui-même avec dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, c'est sur la place publique qu'on t'a joué l'autre et puis après ça tout le monde est saisi revirement spectaculaire. Kim Jong-un te dit qu'il va rencontrer avec Donald Trump dans un sommet international dans la période Jeux olympiques d'hiver qui t'a fait dans le pays Corée du Sud. C'était belle démonstration, réconciliation tout avec un frère sud-coréen. Côté nous songer, il y a une délégation qui t'a gagné dans la tête, l'issue et leader nord-coréen qui t'a dirigé, de gros dirigeants dans le pays, ça, vini dans la Corée du Sud dans les Jeux olympiques. Côté t'a gagné même défilé athlète qui fait en bas, bannière un seul drapeau. Une seule équipe était jouée dans occasion compétition, je ne voulais pas de gagner, et hockey ensemble, et belle démonstration pendant plusieurs jours, une véritable lune de miel qui traversait l'océan Pacifique là pour arriver juste dans Washington, et côté Donald Trump pendant plusieurs jours, c'est miel qui était mis dans la bouche pour parler de dirigeants nord-coréens. Eh bien, depuis quelques jours, et farine n'a pas livré dans le même sac. Et d'abord Kim Jong Un annulé une grande rencontre il devait gagner avec un dirigeant Corée du Sud parce que le monstre d'après avoir il a fait exercice militaire dans Babli avec l'armée américaine et en plus de ça une série de avions et les furtifs que l'armée américaine gagne il a entraîné pas de côté pas même ouais ou même ça t'a inquiété les leaders nord-coréens mais en plus de ça tout gagne un commentaire que dirigeant américain a fait tant que conseiller dans question sécurité et dans Washington et sécurité dans pays États-Unis t'as parlé dans qui conseiller président américain Bolton il t'ai parlé dans sens pour même ça qui t'est passé Libye même ça qui t'est passé Irak là c'est bien qui t'a dû passer et concernant dirigeant yo dans Corée du Nord et puis après ça c'est vice-président américain qui pral dit même ça qui t'est arrivé Kadhafi, c'est lui-même qui a paré pour Kim Jong-un. Donc, attendez, est-ce que les Américains ont voulu rencontrer l'en fait? Parce que immédiatement, diplomatie nord-coréenne m'a déchaîné et le qualifié Mark Pence d'imbécile, ignorant et dit qu'il est stupide, qu'il n'a pas même compte de qui ça l'a parlé. C'est dans sa situation terrivée. Côté d'abord, dans le commencement de semaine, Maison-Blanche a laissé croire qu'il y a gagné pour fixer position aujourd'hui. Et peut-être rencontre langue doit pas faite et Donald Trump lui-même t'a dit que il croit que jusqu'à présent Kim Jong Un sérieux il voulait dénucléariser que péninsule coréenne non mais il dit il étonné c'est après deuxième voyage que il saute faire dans pays la Chine non et il ouais monsieur changer et discours changer comportement et j'en parlais à la Chine t'a pointé États-Unis dans dos dans affaire ça d'après le président américain nous connaît qui totalement imprévisible et donc qui te parlait comme ça et bien bout pour bout aujourd'hui il a annoncé un contact est doué fait dans Singapour et 12 juin qui a venir là annulé certainement pour le grand pile analyse qui pour le fait qui ça veut dire pour diplomatie américaine non qui te mette toute seule non seul panier dans dossier ça puisque faut que nous dit non seulement Donald Trump mais allié de la Corée du Sud et partisans il a déjà repris Nobel la paix à Namen. Et puis, garder toute mesure unilatéraliste, il prend dans rapport avec l'autre allié, qui c'est européen, qui c'est ancien allié en Asie. Côté Hyundai, l'autre écrasé tout accord. Et président qui était en volant, démocrate Barack Obama, qui c'est accord transpacifique là. Finalement, il fait sans États-Unis. Et quitte, et c'est Iran, c'est dernier, il s'est écrasé. Mais il crase yon bonne comme ça et il remette en cause par exemple Alena et yon accord là depuis longtemps entre trois pays en Amérique du Nord États-Unis Canada ak pays Mexique et puis et en plus de ça tout il déplacer ambassade américaine li metel dans Jérusalem aucun président américain pendant 70 ans qui se passé là yo pas jamais essayer faire ça qui c'est yon message clair li voye dans ça qui concernait position partisane par rapport à Israël et côté que li bay vague dans ça qui concernait opinion peuple arabe et peuple palestinien en particulier mais en même temps tout son dossier li entrer la donne pour capable prendre position par rapport à Iran que États-Unis dit qu'il pas gain droit pour pas voiser dans zone
Donc c'est dans point sa situation yé et bilan première année Donald Trump sous plan diplomatie internationale là c'est pratiquement zéro. Nous connaissons sorti dans accord climat, li sorti dans transpacifique là, li sorti dans Iran et li était misé sur ça qui t'a pral passer là dans Corée du Nord là, mais Corée du Nord là annulé. C'est pas reporté, c'est annulé.